Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Saint-Germain-les-Corbeil avec monsieur Baptiste Crépat, numéro combien? Numéro 27 français? 28 français. Le tournoi devait se faire à Évry, Courcouronnes, dans une université, mais les terrains sont un peu humides, du coup on s'est délocalisé ici, donc voilà, ça a l'air très sympa. Saint-Germain-et-Corbeil, je joue en quart de finale, donc c'est un CNGT 2 étoiles, d'Evry normalement. Je joue en quart de finale contre Maxime Amou au premier tour. Et puis voilà, à 11h30, donc là il est 11h20, les matchs vont commencer vers 11h45 parce qu'il y a eu un petit changement de programme. Et puis ça rejoue cet après-midi. Si je gagne, je vais filmer tout ça. À tout à l'heure. Yes. Bon, les breakers, victoire ce matin contre Maxime Amou, 6-3, 1-0, abandon. Il s'est blessé pendant le match. Bon, pas grand chose à dire sur le match. Voilà, c'est un joueur talentueux qui a un super coup droit, très puissant. Il peut mettre à la rue en une seconde. Revers, il fait pas de faute, il peut prendre la balle tôt. Voilà, il a fallu que. Bon, il n'était pas forcément en jambe en jambe. Hein. Il a eu un peu de retard sur le match. Il est arrivé, il a joué direct. Donc j'ai essayé de le prendre à la gorge tout de suite, ça n'a pas forcément fonctionné, voilà, on s'est suivi 1-1, 2-2, 3-3, bon voilà, sur ces matchs là où tu sens que le mec arrive en retard, qu'il n'a pas forcément une envie folle de jouer, voilà, c'est pas évident, il faut rester vraiment mentalement très concentré, jouer tous les points à fond, parce qu'il peut faire la faute à tout moment, donc voilà, donc très content de m'en être sorti. Et puis bah là je suis sur le court, je joue contre Baptiste Crépat numéro 27 français ou 28 français. On s'est joué une fois en juin je crois, j'avais gagné 6-4 au troisième set ou 6-2 au troisième set, je sais plus. Et voilà, il y a beaucoup d'échanges avec lui. Il a un meilleur revers, un coup droit très correct, mais il fera moins mal en coup droit, il sert très bien, il volaille très bien, il se déplace bien, il lit bien le jeu, ça va être dur. Il y aura beaucoup d'échanges, ça va être aussi tactique, on va se neutraliser, mais voilà, c'est des matchs que j'aime jouer.
Les Breakers, si tu es en train de kiffer cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, donc en dessous, le petit pouce. Ça aide la chaîne à être découverte par encore plus de personnes, à faire plus de vues. Et moi, après, comme ça, je peux faire encore plus de vidéos, plus de contenu. Voilà, c'est un cercle vertueux qui est vraiment important pour moi. Retour à l'appart, j'ai gagné mon match contre Baptiste Crépat, 6-4, 6-4. Je perdais deux fall break dans le premier, j'ai réussi à rester calme, à rester zen, à me concentrer sur mes objectifs, sur ce qu'il fallait faire. J'ai débriqué à chaque fois tout de suite, 6-4. Et puis dans le deuxième, j'ai sauvé aussi 2-3 balles de break qui auraient pu me faire mal. Et je gagne 6-4. J'ai été très solide, on a tous les deux un meilleur revers, je pense. Donc on s'est un peu neutralisé en slice sur le revers. Dès qu'on avait l'occasion de se décaler en coup droit, et ben on essayait de se faire bouger un petit peu, des slices courts un peu. Moi j'ai essayé de faire des slices courts sur son revers et sur son coup droit pour le faire monter un peu au filet, mais finalement il volait vraiment très bien. J'ai bien servi, je suis content, j'ai réussi à appuyer mes premiers services. Parce qu'en général je doute un peu quand je passe pas ma première sur ma seconde balle, je suis un peu en doute et là finalement
J'étais pas stressé, pas crispé, nickel, donc très content de moi, je me suis bien déplacé. Voilà, très content, je joue Tatlo encore et encore en finale demain à 16h. J'ai un cours avec The Court demain de 10 à 11. Je vais aller manger juste après, petite sieste, et puis après j'irai au tournoi. Voilà, et bien écoutez, très content d'avoir fait ce vlog aujourd'hui. Deux victoires, super content, et je vous dis à demain. Dernière chose, mon breaker, si tu veux rentrer dans les coulisses de mon entraînement et découvrir mes meilleurs conseils pour progresser techniquement, tactiquement, mentalement et physiquement et encore dans plein d'autres domaines, j'ai créé il y a quelques semaines ma propre académie 100% en ligne de tennis. Dedans, tu as accès à l'intégralité de mon catalogue de formation et tu vas pouvoir enfin battre les joueurs que tu n'arrives pas à battre et atteindre le classement que tu mérites. Ça représente environ 80 heures de formation et ça continue de grandir puisque je rajoute pour toi une formation toutes les 2 semaines. Les membres de l'académie ont par exemple accès à la formation La Perf, la méthodologie exacte pour monter en seconde série et se sentir injouable sur le terrain. Si tu veux les rejoindre, clique sur le lien en description. Si tu es sur smartphone, tu as juste à cliquer sur la flèche à droite du titre et tu verras le lien. Salut mes breakers!